Okay, so I'm planning to give my talk in French unless someone tells me that it's a very bad idea. Donc, Alain, je crois que tu es arrivé à Paris dans les années 80. Je ne sais plus exactement quand. J'ai Automne 80. autant de 80. Alors, comme tu étais notre petit frère, on t'a fait beaucoup de... On t'a éduqué, en fait, on t'a appris... Je t'ai raconté tout mon répertoire de blagues belges, qui était très important. Il paraît, tu te rappelles de souvenirs où j'étais encore plus lourd parfois. Bon, finalement, on a été vraiment très sympathique, puisqu'on a même donné le nom de ton nom à une rue qui menait du collège au collège. Alors, tu as beaucoup travaillé avec Pierre Julgue, qui est. Vous avez fait de très jolies mathématiques autour de la théorie de Kasparov et de la conjecture de Bomkon, et je vais un petit peu parler de ça. Un peu plus tard. Vous avez aussi fait quelques petites facéties qui ont failli mal tourner. Voilà. Ça devait être dit, Donc, j'ai longtemps hésité si mon exposé devait plutôt parler des facéties ou des mathématiques, et finalement, j'ai opté pour les mathématiques. Alors, il y a juste un fait, je deviens un peu plus sérieux, en plus des très belles maths que tu as faites jusque-là, et puis je suis sûr que tu vas continuer encore pendant quelques années, tu es un orateur exceptionnel, et je crois qu'avec Stéphane Vaast ce matin, je pense qu'on a une école belge assez incroyable, je suis un peu intimidé. Faire un exposé devant des gens comme ça. Mais bon, on va se lancer. Donc, je vais parler de la conjecture de la catégorie à coefficients réels et de la conjecture de Bomkon. Donc, tout commence un petit peu avec localiser à l'élément neutre. Et c'est un travail en commun avec Paolo Antonini et Sarah Azzali, enfin, tout ce qui n'est pas vraiment. Voilà. Je vais commencer un petit peu par rappeler la conjecture en deux mots, la conjecture de Novikov, qui dit que, donc, la conjecture de Novikov. Sur les hautes signatures, qu'il y a plusieurs conjectures de Novikov, qui dit que certains nombres de Pontryagin sont invariants je commence déjà trop vite. Il y a d'abord une remarque, c'est que si je me donne deux variétés, M et N, des variétés orientées, et si je me donne une équivalence d'homotopie, donc deux variétés orientées, donc qui préservent l'orientation entre M et N, alors la signature de M est la même que la signature de N, donc. Parce qu'on préserve l'orientation. Et ça se lit, cette égalité se lit via Atiyah-Hirschebruch ou Atiyah-Singer, comme une égalité, disons, on a le cycle fondamental d'orientation de M, et ça c'est une classe, un polynôme en les classes de Pontryagin de M, qui est égal
Bon, ça, c'est la signature de M, qui est égale à la même chose pour la variété N. Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Donc là, c'est le cycle fondamental de N. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici au lieu des polynômes, de ce polynôme L? Et en fait, Novikov démontre que si M et N vont avoir le même groupe fondamental, donc si M et N sont simplement connexes, il n'y a pas d'autre classe. Pas d'autres polynômes. Évidemment, on peut multiplier le polynôme par 3, ou même par 60, ou plutôt par 59. 60, c'est dans 6 jours, je crois. Donc, t'es vraiment encore très jeune. Pas d'autres polynômes en classe de Pontryagin qui soient invariants. Par homotopie. Alors, comment on peut... Bon, on va voir. Comment on peut se servir du groupe fondamental? Et là, Novikov a posé une conjecture qui était a priori, en général, je crois au début, fait pour des groupes commutatifs plus que le groupe fondamental en général. Il a demandé si... Donc, question de conjecture... Novikov. Ben, il a dit que pas seulement cette si xi est un cocycle de groupe, donc aussi on peut voir comme élément de cohomologie disons coefficient rationnel ou disons réel. Du groupe. Alors, en fait, F, c'est l'équivalence d'homotopie. Donc G, qui va de M, ah oui, gamma, c'est bien de... Je crois que c'est l'après-midi des malades et fatigués, parce que je ne suis pas non plus dans la meilleure forme, rentrant juste du Mexique. Donc, si xi appartient, donc gamma, c'est le pi 1 de M, c'est le groupe fondamental de la variété. Si on prend l'application classifiante du fait qu'on a un revêtement de M par de groupe gamma, on a une application classifiante correspondante. Et si, donc, alors, ce cocycle de groupe va donner quelque chose aussi d'invariant. On devrait avoir L de M. Je crois que c'est comme ça le produit. Ça devrait être égal à la même chose. L de N. Donc ici, c'est gérant F étoile de xi N. Donc la variance par homotopie, donc on va appeler ça, Novikov appelle cette quantité-là une haute signature. Et il dit que ces hautes signatures sont invariantes aussi par homotopie. Gérant F, ça n'a pas de sens. Oui, c'est F rangé. Merci. C'est-à-dire que... F va de N. Ah oui, gérant F moins 1, d'accord. Oui, voilà. bon, c'est l'invariant d'homotopie. Peu importe, c'est pas F moins 1 n'a pas de sens, mais c'est l'inverse d'homotopie. Bon. J'ai loupé mon truc. Alors, j'enlève mon pull. OK. Oui, mais là, ça cache mes notes.
Ok, donc c'est la conjecture de Novikov. Et pour le moment, enfin, une autre façon de l'écrire, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que... Si, et quel degré? C'est en quel degré, ça? Quelconque. Et L de M? L de M, c'est en degré pair. C'est un polynôme de tous les degrés de puissance 4K. M, donc je multiplie par ça. Voilà. Donc une autre façon de dire ça, c'est, on peut dire aussi que G étoile en bas de la classe d'homologie, cette fois. F étoile. Non, là c'est bon. M est un invariant d'homotopie. Est un invariant d'homotopie. Donc non seulement cette classe est non seulement un invariant d'homotopie dans Z, dans Q, enfin qui est dans Z, mais aussi quand je la pousse dans un espace classifiant. Donc c'est une autre façon de le dire. Alors là je vais... bon d'abord, cette conjecture est connue maintenant pour énormément de groupes, mais pas tous, et il n'y a pas de contre-exemple. Alors je vais vous parler d'une autre conjecture, qui est la conjecture de Bomkon. Alors, je ne vais pas penser que vous savez tous exactement tous les termes que je vais utiliser, mais je vais essayer de vous donner une idée. Conjecture de Bomkon. C'est une... Ils construisent un groupe qui devrait être un groupe de quatre théories topologiques, disons, de gamma, donc d'un groupe quelconque, dénombrable. Bon, disons dénombrable. Et une application d'assemblage, qu'on appelle mu, qui va de la catégorie de ça vers la catégorie de l'essai étoile algèbre réduite du groupe gamma. Donc, ça, c'est un objet purement topologique associé au groupe gamma. Et ça, alors, Stéphane vous a parlé de l'algèbre de Fonneman d'un groupe qui revenait à prendre la représentation régulière de ce groupe, donc le faire agir dans petit L2 de gamma, par translation à gauche ou à droite, ça revient au même, à gauche, disons, et il prenait la fermeture faible, et ben là, on ne prend pas la fermeture faible, on prend juste la fermeture normique. Et c'est ça, cette C étoile algèbre. Après, il y a le functor de catégorie. Bon, ça veut dire on regarde un petit peu les idempotents de cette algèbre et les idempotents de l'algèbre de matrice ou les inversibles quand il y a un K1 ici. Et la conjecture, c'est que cette application, je vais y revenir un peu plus tard avec un peu plus de détails dans la suite de mon exposé. Là, c'est une introduction que je suis en train de vous faire. Donc la conjecture, mu est un isomorphisme. La catégorie de gauche, non, aucune des deux n'est la catégorie de Kullen. Les deux, c'est des catégories topologiques. Pour une C étoile algèbre, des catégories aussi fines que la catégorie algébrique marchent en général pas très bien. C'est vraiment, il faut la catégorie bien rigide, bien topologique. Bon, alors, je vais un petit peu vous expliquer, en fait, pourquoi la conjecture de... Donc, la conjecture de Bomkon, elle non plus, n'est pas connue, il n'y a pas de contre-exemple. Il y a des contre-exemples, un certain nombre de généralisations de cette conjecture qui ont été faites après. Par contre, on la connaît pour beaucoup moins de groupes dans cette forme.
En fait, vous verrez tout de suite qu'on n'a pas besoin de l'isomorphisme pour savoir que ça marche. Il suffit de l'injectivité de cette conjecture pour comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi Baumkorn implique Novikov. Bon, je n'ai plus rien à enlever de, de dessin. Donc, à la fin, à la fin. Et je dois dire que dans un sens, c'était un peu une des motivations au départ, je crois, d'Alain et de formuler un petit peu cette chose-là. Je ne sais pas, et de Baum, c'était de chercher cette catégorie. C'était aussi pour l'effectage d'imaginer quelle pourrait être la catégorie de cette étoile algèbre de feuilletage. Donc pourquoi Baumkorn implique Novikov? Alors on était arrivé, donc on disait que quelque chose était un invariant dans H étoile de B gamma Q. Cette H étoile de B gamma Q est en fait une certaine partie dont on va l'écrire tout de suite. On va changer donc cette homologie, je vais changer juste de coefficient et me placer avec des coefficients de catégorie. Si vous ne connaissez pas ça, l'homologie est une homologie ordinaire, elle est un support compact. Et ici, on a une catégorie de ce même espace avec les mêmes. Ça, c'est un isomorphisme de Chern tout à fait classique qui va donner ça, que l'homologie de ça est égale à une K-homologie de cet espace, vu comme limite inductive hein, de la décomposition cellulaire de ce groupe gamma. Donc on a un isomorphisme qui est un isomorphisme de Chern. Et donc la question se rapporte tout de suite de savoir si ici, cette classe de l'opérateur de signature de la variété M, qui va vivre là-dedans, est un invariant d'homotopie. Alors, les éléments de ce truc-là, c'est des opérateurs différentiels ou pseudo-différentiels, elliptiques. C'est ça les générateurs de cette catégorie ici. Pardon ? Donc, comme pour gamma, applique Novikov pour gamma. Oui. Donc pour un groupe donné, si on sait la conjecture de Baumkorn, on sait la conjecture de Novikov. Alors, après cette K-homologie est en fait une partie de la K-homologie top de gamma. Et on sait, c'est pas très difficile de voir, que si je fais mu l'image de cet élément, donc de l'opérateur de signature, peu importe ce que c'est, qui appartient cette fois à la C-star algèbre même maximale de gamma. Ça, c'est un invariant d'homotopie, et c'est dû au fait que, ici, la K-théorie, c'est la même chose que la L-théorie. C'est des gros mots. C'est juste qu'un opérateur positif dans une C-étoile algèbre admet une racine carrée. C'est ça le mot-clé qu'il y a là derrière. Donc, là, on a une invariance. Si la flèche mu est injective, on lit et on voit qu'on a une invariance d'homotopie dans la C-étoile algèbre réduite. Alors, dans un sens, on voudrait affaiblir la conjecture de Baumkorn en ne gardant que cette partie-là. Si je veux uniquement utiliser cette conjecture de Baumkorn uniquement pour démontrer Novikov, il est assez logique d'essayer d'isoler cette partie dans la K-homologie de B gamma. Donc tu dis, c'est pour ça que tu vas prendre coefficient voilà. Arrière et localiser. Voilà. Alors d'abord, je regarde la K-homologie. J'ai oublié le top. Non, je n'ai pas oublié. De gamma. Ça, c'est une somme sur les classes de conjugaison de gamma, de choses, disons que ça se lit encore plus simplement si je regarde la même chose que ça, je vais écrire, c'est pas vrai tel quel. C'est une somme sur les classes de conjugaison
de contribution de cette classe de conjugaison. Je vais l'appeler H gamma, où gamma est une classe de conjugaison. C'est, le plus simple pour moi, c'est de le voir à l'aide de la cohomologie cyclique, et je vois que la cohomologie cyclique se localise sur les classes de conjugaison. Et de façon évidente, enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de... Ça se localise sur les classes de conjugaison, et si je regarde l'élément neutre, que je vais appeler E ici, ça, c'est égal exactement à ce que je cherche, cohomologie de B gamma, coefficient de Q. Donc c'est cette chose-là que je voudrais un petit peu isoler. Il y a une deuxième motivation pour ce que je vais raconter, et c'est une discussion avec Alain Valette que je me rappelle. C'est que si on regarde la conjecture de Pomcon telle quelle, si j'ai un morphisme d'un groupe gamma 1 dans un groupe gamma 2, le membre de gauche s'envoie est functoriel en gamma. Ici, c'est functoriel uniquement pour des morphismes qui sont injectifs ou du moins de noyaux moyennables. Ce n'est pas défini toujours, donc functorialité du membre de gauche. Donc on peut se dire, ça ne peut pas marcher parce que justement, ça va si je change de groupe. De droite, pardon. Pour le membre, pour c'est star réduite. Donc si j'ai un morphisme d'un groupe gamma 1 vers gamma 2, si quelque chose marche bien, il doit y avoir une flèche qui va de la C étoile algèbre réduite de gamma 1 vers la C étoile algèbre réduite de gamma 2. Bon, donc... relâcher les coefficients, ne garder que cette partie-là, et si possible, avoir quelque chose de functoriel. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, maintenant, je vais vous parler de... c'est bon. Je vais... Pardon ? Il demande si la flèche se factorise à travers C-star-max. Oui, ça se factorise à travers C-star-max. Par contre, pour la C-star-max, on sait que ce n'est pas un isomorphisme. Parce que il y a... Pardon ? Par contre, c'est factoriel. Par contre, c'est factoriel. Et bon, il y a déjà une réponse plus... Enfin bon, il y a plusieurs essais, mais le manque de factorialité... peut être source d'exemple, mais pour la max, pour la réduite, pardon. Pour la max, ce qui cause le fait que ça ne marche pas, c'est la propriété T, pour le moment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'abord parler de... D'abord, enlever la catégorie à coefficient entier et prendre un coefficient carrément réel. C'est... Donc la première chose que je vais faire, c'est parler de catégorie à coefficient réel. Alors, un outil très important, il y a en fait deux outils très importants dans essentiellement beaucoup de résultats sur la conjecture, au moins sur la conjecture de Novikov. Probablement, la cohomologie, la théorie bivariante de Kasparov, dont je vais dire quelques mots, je ne peux pas définir, ça prendrait trop de temps et puis ça vous agacerait tous. Et donc, la première chose, c'est ça, le double cas, c'est la théorie bivariante de Kasparov. Et une deuxième chose, c'est la cohomologie cyclique, qui a donné aussi d'autres, d'Alain Cohn, qui a donné beaucoup d'invariance. Et donc là, je vais parler de la théorie de Kasparov à coefficient réel. Donc, d'abord, Kasparov définit un groupe. Donc, on se donne deux C étoiles algèbres, A et B.
comme la C étoile algèbre du groupe, ce sera essentiellement celle qui m'intéressera le plus. On se donne deux C étoiles algèbres A et B, et Kasparov définit un groupe de K de AB qui essentiellement classe les extensions du type... Bon, je mets exprès pas les, toutes les couleurs, tous les trucs qu'il faudrait mettre. Donc, une extension de A par B de ce style. Donc, pour bien faire, ça, c'est plutôt un élément de KK1, pas de KK0. Quand j'écris comme ça, il faudrait mettre aussi les compacts parce que B peut avoir une unité. Quand il y a une unité, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'extension non triviale. Et voilà. Mais en gros, ça classe, c'est un groupe qui classe ces extensions-là. Alors, comment définir une catégorie, un coefficient réel? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'objet qui a une catégorie dont une catégorie dont le, égale à R? Eh bien, c'est un facteur de type de 1, donc, dont a parlé Stéphane. Donc, on a dans notre boîte à outils les facteurs de type de 1. Donc, c'est des algèbres de Feynman qui sont des facteurs, c'est-à-dire le centre est trivial. Donc, algèbre de Feynman, ça veut dire égal à son bicommutant. Donc, c'est une sous-algèbre de LDH égale à son bicommutant. Le centre est trivial. Et de type de 1, c'est-à-dire qu'il y a une trace. C'est une extension de ce type. C'est, je classe des extensions. L'idéal, c'est B, et le quotient, c'est quelque chose qui est relié à B, et le quotient, c'est quelque chose qui est relié à A. La KK-théorie, le groupe de Kasparov, KK de AB, classifie à quelque chose près ce type d'extension, et ce n'est pas exactement la vraie vérité que je vous donne. E, c'est une C étoile algèbre. Donc, c'est des extensions de C étoile algèbre. Bon, je mets Betonska au moins pour que ça ait un sens raisonnable. Et puis, ça, c'est KK1. Il faut tensoriser, par exemple, par C0 de R, un des deux membres pour que ce soit le bon. Voilà, c'est des extensions. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là. Donc, un facteur de type 2, donc, c'est un facteur. Donc, c'est une algèbre de Feynman qui est un facteur, c'est-à-dire centre trivial, et il a une trace qui est nécessairement unique, sinon on aurait des choses dans le centre. Alors, quel facteur choisir? Donc, Stéphane nous a parlé du facteur le plus petit, le facteur hyperfini de type 2,1. On pourrait prendre ce facteur, mais comme... il y a beaucoup de choses qui sont non moyennables dans l'histoire, eh ben, on ne voudrait pas... Je veux dire, la conjecture de Bamkon, elle est connue telle qu'elle pour les groupes moyennables. Bon, alors, on va prendre quelque chose de non moyennable, quelque chose qui représente... Alors, qu'est-ce que choisir? Eh bien, en fait, on ne choisit pas, et on prend une limite... On prend une limite inductive. Donc, une limite inductive, donc on définit KK, R, voilà... de A et de B, égale limite inductive. Donc, M, je le prends une sous-algèbre dans L de H avec H séparable. Donc, ça, c'est... je fixe mon L de H. Et... alors, les inclusions, c'est les morphismes, mais il faut voir une chose, c'est que, parce qu'il y a des constructions de type produit libre, produit libre amalgamé de ces algèbres de Feynman, ça fait que si j'ai deux morphismes, ils définissent la même flèche en KK-théorie, parce que je peux les rendre unitaires en poussant un peu plus loin. Voilà. Donc ça ne dépend pas vraiment des flèches que je vais choisir entre les algèbres de Feynman elles-mêmes. Parce que si je prends M, un élément qui vit dans M1 et un autre qui vit dans M2, je peux faire le produit libre, par exemple, ou le produit tensoriel, M1 produit libre avec M2, dans lequel les deux s'envoient.
où donc même M1 pourrait ne pas être un facteur et M2 ne pourrait ne pas être un facteur et je vais obtenir un groupe libre. Donc une autre façon de le dire, c'est au lieu de prendre un facteur de type 2,1, je prends une C étoile algèbre séparable avec une trace. C'est là, ça va être la même chose parce qu'il y a cette construction de produits libres. Donc l'algèbre avec la trace, je la plonge dans une algèbre de type 2,1, je prends un produit libre, hop, ça devient un facteur, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Et la deuxième chose, c'est que si j'ai deux morphismes de M1 dans M2, je peux faire le produit libre amalgamé de M2 avec M2 au-dessus de M1, et j'aurai la même... ça devient intérieur quand je vais plus loin. Ce qui fait que, à cause de ça, c'est plutôt une construction HNN, ça ne dépend pas de morphisme. Donc, tout ce que je dis, c'est qu'il y a toujours moyen d'en faire un objet inductif. Alors, on n'a pas écrit tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses embêtantes et longues à écrire, mais c'est des idées qui sont très simples à mettre en œuvre. Donc... excuse-moi, parce que au niveau de l'injectivité, en général, il te suffirait d'avoir l'injectivité pour un facteur de type 1. Il me suffirait l'injectivité pour... Comment tu sais que ça va persister si tu continues Je ne sais pas. Tu ne sais pas, d'accord. Donc, a priori, tu affaiblis en prenant la colline. Oui, j'affaiblis si j'ai... Bon. Tu affaiblis les chances que ce soit injectif. Pas tout à fait, parce que si je sais la conjecture de Baum-Cohn à coefficient pour tout le monde, et ben en particulier, je le sais pour les facteurs. Bien sûr, mais il se pourrait que ça soit vrai pour un certain facteur bien choisi correspondant au groupe gamma, par exemple, la cestarge. Oui, si je veux l'injectivité juste, oui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est quand même ça qui t'intéresse. Pour un certain, bon, je ne sais pas si... T'as quand même un petit gamma qui est là, oui. Et qui est de type 2. Non, mais bien sûr. Mais c'est peut-être pas un facteur, donc il faut réfléchir, enfin, pousser un peu plus. Bon, je pourrais prendre... Donc si c'est pas un facteur, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu as un sous-groupe... Je prends gamma croix Z. Gamma croix Z, c'est plus un facteur. Non, mais si les quatre composants sont infinis. Oui. Bon, maintenant, je peux effectivement rendre un facteur, probablement sans perdre trop de... sans avoir à faire un vrai produit libre. So, as far as I remember, they said before in this conference that there is a unique factor of type 2 up to us. No. Ce qui a été dit, what was said, is that there is a unique, smallest 2-1 factor, which is contained in everyone else, which is the hyperfinite 2-1 factor. Ah, okay. So, unique amenable. And so this is the limit is over all... 2-1 factors. All 2-1 factors? Contained in the given Hilbert space, separable Hilbert space, L of H. Oui, je suis d'accord. Bon, maintenant, deuxième chose. Alors, par contre, on définit comme ça un élément de... Donc, on définit comme ça KKR de AB. Alors, on a, dans cette algèbre, on a encore le produit de Kasparov. Qui est défini, c'est-à-dire que si je me donne un élément, donc, je vais l'écrire dans sa grande généralité. Oui, donc si j'ai un élément un peu plus général avec... donc... B1 trans D et un élément X2 qui appartient à 2D trans A2 B2. On peut faire le produit en simplifiant par la lettre D du milieu. On va obtenir ce que Kasparov appelle X1 D X2 qui appartient à KR de A1 trans A2 B1 trans B2. C'est pas une composition comme dans les ex. C'est un tout petit peu plus. Non, c'est un produit de. C'est un ex 0, donc il y aurait une sorte de produit de composition directement.
mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Effectivement, il y a une périodicité de bottes qui fait que ça pourrait monter, mais ça ne monterait jamais. Donc on définit, il y a un produit de Kasparov. Il y a une deuxième chose qui est que si je fais le produit de Kasparov, si D est égal à C, c'est commutatif. Bon, il faut comprendre, hein, c'est... Donc, si je fais le produit de Kasparov de x1 par x2 ou de x2 par x1, je trouve la même chose. Et ça, c'est important. Et puis... Pour Cartier, il faut quand même dire que si B1 est grossé et A2 grossé, c'est vraiment un produit de composition. Voilà. Non, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par tensoriser ça par A2 et ça par B1. Et là, ça devient le produit sur la même algèbre. Mais j'en ai besoin juste pour la commutativité, de le donner dans cette généralité. Si D est égal à C, le produit X1 composé avec X2 est égal, modulo le change de deux, donc ça c'est... Alors il y a une troisième chose, j'espère que je regarde mes notes pour éviter d'oublier des choses. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a encore, si gamma est un groupe dénombrable, et on sait le faire dans une bien, bien plus grande généralité. On peut encore définir, Kasparov définit aussi la K-catégorie équivariante par rapport à A et B, en disant que cette extension est plus ou moins équivariante. Ce n'est pas exactement le cas ici, c'est un peu plus compliqué, mais l'idée c'est ça. Par rapport à l'action du groupe gamma, A et B, c'est des algèbres dans lesquels gamma opère, et on définit qu'un K... gamma, un coefficient réel de AB, c'est comme une limite quand M est un facteur de type de 1, de KK gamma de A B tans M. Et il y a des opérateurs ici. Gamma agit soit trivialement, soit intérieurement, et donc il peut agir de façon quelconque. Puisque je sais le rendre intérieur. Gamma est discret ici. On peut faire la même chose avec un groupe qui n'est pas discret. On sait le faire avec des groupes quantiques. On sait faire beaucoup plus général des algèbres, des groupoïdes. Mais je vais rester dans le cadre discret, des groupes discrets. Donc on définit cette chose-là. Et il y a... Pardonnez-moi pour juste une seconde. Il y a aussi ce qu'on appelle la fonction de descente de Kasparov qui va aller de KK gamma R de AB dans KK R des produits croisés. Donc ça, je le dis pour vous. Pour ceux qui savent, pour les autres, pardonnez-moi. C'est juste que vous dire qu'il y a des opérations qui sont dedans. Alors, une première remarque, c'est que... KK gamma R de CC, donc, est un anneau de base commutatif au-dessus duquel tous les produits se font. Donc, les produits sont... C'est donc un anneau commutatif. Et qui, je vais le dire, R algèbre commutative, au-dessus de laquelle tous les produits sont linéaires, multilinéaires. C'est ça qui va permettre de localiser. Voilà. C'est un invariant de gamma. Et si, en particulier, dans ce truc-là, c'est pour ça que c'est une R-algèbre, si je prends la représentation triviale de gamma, ça s'envoie dans KKR, plutôt ça s'envoie KKR de CC qui est égal à R. Donc c'est la catégorie des facteurs, et on a vu que c'était R. Opère aussi
sur tout le monde. C'est pour ça que c'est des R-espaces vectoriels. Donc c'est des morphismes de R-espaces vectoriels, tout ça. C'est une algèbre. La multiplication scalaire, c'est ça. Ça, c'est R. Et la multiplication des scalaires, c'est un bimodule qui va être de dimension R, de dimension lambda. Donc gamma, c'est n'importe quel groupe de discret et de nombrables. Voilà, n'importe quel groupe dénombrable, bon, on peut aller plus loin. Mais pour que ce soit commutatif, c'est un vrai groupe, c'est pas un groupe quantique ou quelque chose comme ça. Bon, je vais... Alors, il y a un élément fondamental. Donc, la première chose, c'était de relâcher le fait qu'on était sur Z et aller sur quelque chose où on tue la torsion dans la catégorie. Bon, ça, c'est peut-être un peu lourd, effectivement, parce que... Pourquoi tu ne t'arrêtes pas à Q? Alors, il y a une algèbre qui a la catégorie de Q, qui est ce qu'on appelle une algèbre à F. Et par contre, elle ne va pas être bien reliée à mon groupe gamma, alors que les facteurs de type 2,1, c'est bien relié à mon groupe gamma. Donc, alors, voilà, donc c'est un petit peu ce que voulait Alain avant, c'était que si gamma, puisque gamma est un groupe, sur le groupe gamma, donc je veux me localiser à l'élément neutre du groupe, d'une façon ou d'une autre. Donc sur le groupe gamma, j'ai ce qu'on appelle la trace du groupe. Donc les éléments... Bachir a parlé de traces. Ça, c'est une trace un peu plus sympathique, qui est la trace du groupe. Donc c'est, si je prends formellement un élément de la C étoile algèbre réduite, c'est pas si formel que ça. C'est un élément de la forme somme de alpha G. G. Donc, je lui associe l'élément, ce qui se passe à l'élément neutre. Donc ça, c'est vrai que ça a l'air de localiser à l'élément neutre. Et donc, on se dit, ça devrait peut-être nous aider. Alors, ça, je veux le voir comme une application. Je peux aussi le voir comme une application de cesta réduite de gamma dans l'algèbre de von Neumann de gamma, qui est en gros un facteur de type 2,1, quitte à faire un produit libre avec ce qu'il faut, ou quitte à le plonger dans un facteur de type 2,1. Attention, ici, il n'y a pas unicité de la trace peut-être, donc il faut préserver cette trace. Donc je le plonge dans un facteur de type 2,1, peu importe la façon, mais à condition que la trace qui est unique ici corresponde à la trace que j'ai sur cet élément, sur ce groupe-là. Donc, pour beaucoup de groupes, il y a unicité de la trace, mais ça, c'est ce qu'on appelle la propriété de Powers. Mais c'est pas... Alors, bon, maintenant, j'ai construit mon élément fondamental, qui est cet élément taux. Je vais un tout petit peu le regarder un peu plus, et je vais dire que si je me donne deux traces, alpha et bêta, qui appartiennent... Donc, taux me définit un élément donc ici, il y a le facteur de type 2,1 qui est là, et taux me définit bien un élément, cette inclusion-là de ces étoiles algèbres réduites de R dans M, qui est un élément de cette catégorie. Bon, donc maintenant, en fait, je vais essentiellement localiser relativement à cet élément. Mais d'abord, remarquons que si je prends alpha et bêta de ces stars réduites de gamma ou de ces stars de gamma dans ces deux traces, je peux définir... ça va me donner des éléments de kk gamma de cc coefficient réel, donc je peux calculer le produit alpha tans bêta. Ça, c'est la trace, c'est l'élément. Ça correspond à la trace qui est donnée par alpha tans bêta
disons, de l'élément G du groupe, c'est alpha de G, bêta de G. De ce point de vue, la trace tau absorbe toutes les traces, puisque c'est on ne regarde que... Voilà. Donc, on ne regarde que ce qui se passe à l'élément neutre, et bien, on multiplie, et partout ailleurs, on trouve zéro. Et ce produit-là, c'est celui qui est dans l'algèbre Kakagaman, c'est ça? Oui, là, c'est le produit qui correspond à ça, et ça correspond à une trace. Alpha et bêta définissent des éléments de ce Kakagaman. Et c'est donc le produit dans cet algèbre commutatif. Et ça correspond vraiment au produit ponctuel des éléments des valeurs, des fonctions sur les éléments du groupe. C'est très facile à voir. Voilà. Et en particulier, tau est un idempotent. Tau. Donc maintenant, on va localiser les éléments de la conjecture de Baumkorn sur cet élément tau. Et c'est ça qui va donner la conjecture localisée sur cet élément. Alors tau, c'est la fonction qui vaut 1. La trace qui vaut 1 à l'unité et 0 partout ailleurs. C'est la représentation régulière. Voilà, ça correspond exactement à la représentation régulière. On l'a vu, là, c'est le plongement-là. Et les autres correspondent à des représentations. Et on sait que la représentation régulière absorbe toutes les autres représentations. Et c'est ça qui est... Bon, on n'en a pas besoin, hein, parce que je ne veux pas donner d'autres traces dans l'histoire. Voilà, donc je vais dire un tout petit peu... rentrer un tout petit peu plus dans les détails, peut-être pas beaucoup... Il me reste 10 minutes, c'est ça? Oui, donc je ne vais pas dire beaucoup plus de détails. On a un élément, donc on fait crest à top de gamma. Ça, c'est une limite inductive de choses qui sont des éléments de kakatéorie, donc ça a un sens de faire tau opère. Ça, c'est un module sur... Pardon, je vais le dire quand même un peu plus proprement. C'est un module sur... Donc, dans R est un module. Donc, poussé dans R est un module sur k gamma R. Donc, tau opère dessus. Donc, c'est le membre de gauche, je peux agir à gauche par tau. Je suppose que tu peux l'écrire autrement, ça. Oui, oui. Mais je... Bon. Non, mais ça, je suppose que ça revient à regarder les actions qui sont libres. Non, voilà, on va y arriver. Et donc, il y a la partie tau de ça. Et puis, le membre de droite, ben, il y a une action, donc, J gamma de tau, définit un élément de KKR, de cet état réduit de gamma, disons. Allez. Même de cet état réduit de gamma, cet état de gamma, je mets la réduite. Et c'est grâce au fait que je peux ne pas mettre la réduite ici que je peux que ça va être functoriel et je ne dis plus un mot là-dessus. Et donc, ça définit, grâce... À ça, ça opère, ça ne distingue pas, en fait, la régulière de la max. En fait. C'est pour ça que... voilà, qui te plaît. Voilà, qui a rendu. Donc, à cause du fait que tau est la régulière et que la régulière absorbe tous les autres, en fait, c'est un élément de KK, c'est star réduit de gamma, c'est star de gamma, mais on oublie tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on peut localiser, le morphisme est équivariant par rapport à l'action de ces stars de gamma, donc on peut localiser, et donc ça nous donne une conjecture de Baumkorn localisée. Donc on a qui va de Casta top de gamma localisé par tau, enfin, que multiplie tau à gauche ou à droite,
dans la catégorie de sestarétude de gamma. Là, il faut agir du bon côté, à droite, pour tout. Et ça, ça doit être à l'isolement. Donc, la conjecture localisée, c'est que ça, c'est un isomorphisme. Alors, moi, je prends moins de risques qu'Alain. Je dis que la conjecture se localise. Donc, si la conjecture est vraie, elle se localise bien et ça donne un isomorphisme. Mais ce qui est marrant, alors, c'est que c'est localisé à la place archimédienne, parce que tu prends la coefficient. Tu pourrais aussi la localiser là. Et à l'élément neutre. Enfin, l'élément neutre, c'est parce que je pense Novikov. Alors maintenant, effectivement, comme disait Alain, on va calculer ce membre-là. Ça, qu'est-ce que c'est que Casta top de gamma top. Alors, comme on a vu, on avait une K-homologie de B gamma qui s'envoie dans Casta top de gamma, qui correspondait à la flèche qui était injective rationnellement. Excuse-moi, Georges, je ne lis pas ta dernière. Où arrive ta flèche, pardon, parce que je n'arrive pas à lire la conjecture localisée. C'est la catégorie. Oui, donc c'est la catégorie de sesta réduite de gamma, localisée. Donc je dois prendre un coefficient réel. Donc il faut prendre réel et prendre le produit par taux. Taux agit, c'est gigamma de taux en fait. Voilà. Donc, J gamma de taux est un projecteur, donc ça projette sur cette partie-là seulement qui ne regarde que l'élément neutre. Alors, ce que je dis effectivement, c'est que d'abord, il est très facile de voir que, donc, si je prends K étoile de B gamma, disons coefficient réel de B gamma, taux, c'est la même, agit comme l'identité là-dessus parce qu'il n'y a plus de. Là, on regarde que des actions libres et qu'il n'y a pas de... oui, c'est ça. Donc, taux agit comme l'identité là-dessus. Et maintenant, je voudrais comprendre que... Alors, qu'est-ce que c'est que K étoile top de gamma? Donc, je vais dire maintenant, dans les trois dernières minutes qui me restent, un peu plus sur ça. Les générateurs de ça, c'est une variété, disons M tilde, sur laquelle gamma opère librement, une variété, un espace M tilde, peu importe lequel, gamma opère dessus de façon propre, mais pas libre. Properly disconnected. Donc tout va bien, l'action est propre, mais ce n'est pas libre. Et on se donne un élément de K-homologie, un opérateur de signature, gamma invariant sur cette variété. Donc gamma opère de façon propre. Et je voudrais aller de K-startup, quand je tensorise par taux, par quelque chose, je voudrais aller dans la K-homologie qui est de B-gamma. Et en fait, pour ça, il suffit d'avoir un espace X. Si. Il suffit d'avoir un espace X. Compact, sur lequel gamma agit librement. Agit librement. Avec mesure finie invariante. Mesure finie invariante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je prends cet espace. Si je prends M tilde, quoi gamma, croix x, l'action là-dessus devient libre, elle est propre, elle est libre, et je tue l'espace x à l'aide de la mesure invariante. Et la flèche, donc j'en déduis en fait que ça c'est aussi égal à donc le manque de gauche c'est essentiellement la K-homologie de B gamma. Et donc c'est raisonnable, si on veut démontrer uniquement la conjecture de Novikov, c'est raisonnable de se dire que ça suffit pour démontrer que
la conjecture de Novikov. Juste deux remarques. Donc, cette façon de faire donc, permet de gommer la différence entre la C étoile algèbre réduite et la C étoile algèbre max. C'est functoriel. Et puis, on se dit que si on prend le groupe, le monstre dont nous a terrorisé tout à l'heure Gulnara de Gromov, si on prend ce monstre, on se dit que c'est une limite inductive de groupe hyperbolique pour lesquels on connaît la conjecture de Baum-Cohn pour la cesta réduite, pour chacun, enfin l'équivariante pour chacun des trucs, mais par ailleurs c'est functoriel, manque de bol. C'est encore un contre-exemple pour la catégorie. Et la raison, c'est que notre groupe comme ça ne commute pas bien avec les limites inductives. et malheureusement, bah, justement, parce qu'on a pris trop de... On ne pourrait pas le forcer. Si... Donc, les limites inductives non injectives. Hein, donc, c'est, si c'est des limites inductives injectives, il n'y a aucun problème. Il y a sûrement un moyen universel de le forcer à commuter. Ben, il n'a pas voulu pour le moment parce que, par ailleurs, on sait que c'est un contre-exemple. C'est-à-dire que le projecteur qu'on construit avec Vincent et Vincent Laforgue et Nigel Hickson continue à exister dans cette catégorie. Et donc c'est un contre-exemple à la conjecture à coefficient, pas cette conjecture telle qu'elle. Bon. Encore. Question. SL3Z, où est-ce qu'il... SL3Z, on sait la conjecture de Novikov, on ne sait pas encore la conjecture de Baum-Cohn sans coefficient. On sait que c'est faux pour le C-star max. La conjecture de Novikov, on la connaît essentiellement pour tous les groupes linéaires ou... dans, plus ou moins dans n'importe quel corps, plein d'autres exemples de groupes. On la connaît pour beaucoup de cas, mais on ne peut pas. On la connaît pour le monstre de Gromov. Ce que je voulais savoir, c'est si oui. Ta localisation. Donc, quand tu prends gamma égale à SL3Z dans là-dedans. Je ne sais pas démontrer que c'est un isomorphisme. Mais la conjecture localisée, par exemple, elle... Je ne sais pas. L'injectivité passe sans problème, pour la localiser aussi. D'accord. Vous avez une question ? Quelle est la vraie relation entre la conjecture classique et celle localisée ? Alors, la conjecture classique à coefficient dans tout facteur de type de 1 implique la localiser. Inversement, j'espère que non. Bon, Pierre, c'est les questions des Pierres pour le moment. dans la vraie étude de Yuri Kasparov, donc avec la gamma de CC, il y a déjà un idempotent, le fameux petit gamma. Quel est le rapport il a ? Qu'est-ce qui devient dans cette théorie ? La question, ça va être est-ce que ce gamma devient égal à 1 une fois qu'on le multiplie par la trace ? Bonne question. Attends. Mais alors, simplement, ma question, c'était est-ce que tu peux, du fait que tu as les facteurs de type 2-1 comme auxiliaire, etc., est-ce que tu peux utiliser le coproduit Le coproduit de Dans l'algèbre du groupe. Oui, mais on l'utilise à fond. Je veux dire, quand tu prends kk gamma, oui. Tu peux l'écrire sans gamma à l'aide du coproduit. Il est partout. Il est partout, le coproduit. C'est une autre façon d'écrire le kk gamma de AB. Est-ce que tu peux utiliser le facteur en ce stade ? Je l'ai utilisé, là, pour définir l'élément trace. C'est la façon de l'utiliser pour... L'élément trace, mais je veux dire, comme coefficient et tout ça. Il apparaît dedans comme coefficient spécial, effectivement. C'est celui-là, maintenant... S'il y a un élément gamma et que gamma est égal à 1 quelque part... Il va être égal à 1 beaucoup plus sur un autre facteur aussi. Donc, de ce point de vue, au moins, s'il y a un élément gamma, on peut avoir. Mais le fait que gamma soit égal à 1 comme élément de K-théorie, c'est très peu probable. C'est vraiment comme morphisme de K-théorie. Et là,
ça passe pas, ça va pas passer après. D'autres questions ? Non ? Bon, ben, merci encore.